Bois Héroïse. Non, j'ai pas dit Jocelyne Bénard tout ça là. Jocelyne Bénard, née à Saint-Clair-sur-Léman, au Pradifto, le 4 juin 1955. Et j'habite Trouville-et-Cherville. Bois Héroïse, Boujou. Ça va t'y tout le monde, il fait rien qu'à la nuit. Si le virus n'est pas brûlé avec ce cale-là, mais j'y comprends plus rien. Mais va pas vous faire de discours, surtout après monsieur le président, puis monsieur le mai. J'aurions pour les malins. Forcément, et que c'est bien gentil de le part, devait faire chat, parce qu'elle le grâce quand même qu'on est là à nuit. Merci bien. Va plutôt vous causer un petit en normand, puis que c'est pour chat qu'on est là. Même plutôt en coche, ouais. Puis que Siodifto, mais de l'URC, l'université rurale du coche, ouais. Puis est Denis Ducassel qui est notre président. Pour gant, tu parles qu'il est dupe. Pas pouvait être là, lui qui défend depuis si longtemps par les cochouets, les outils, les costumes, les coutumes et tout, tout ce qu'il a fait avec le cochouet, puis les panneaux normands, est un affaire qui tient à tue. Eh ben quand même, il s'excuse, mais il va pas pouvoir revenir de vacances. On est content de nous laisser nos marins, et le premier panneau chez nous en normand. Moi, eh ben que monsieur de la Mose est pas le médifto, parce que la nuit, on serait dans le pays de Caux. Un petit peu de chauvinisme. Mais non, je rigole, elle est bien là, Boérou. Avant, on ne savait même pas que ça existait, ce pays-là. Il a fallu que j'aille en lutter sur Internet, pouvait où que c'était. Dans le pays de Bray. Oui, auprès de Bouchy. Bon, elle est tout petit, 200 habitants. Elle est gentille. Il y a un bio au château, mais il n'y a même pas de café. Avant, ils s'appelaient Bosco Héroldi, qui disent. Rapport au nom d'un seigneur viking qui s'appelait Harold ou Hérold. Es-tu vrai? Tu qui le prouves? En tout cas, elle n'est pas si facile que ça. Tu savais comment qu'on disait avant. Boué, boa, rou, dit, heureusement qu'il y a des gars qui ont fait des études puis qui passent le temps à trancher comment le pays s'appelait avant. Tu penses bien que ça ferait... Qui passe le temps à trancher comment le pays s'appelait avant. Tu penses bien que s'ils savaient chat, les autres, ils seraient amtiofiés. Tout chat est nos racines, faut pas l'oublier quand même. Bon, merci à tous ceux qui ont aidé pour arriver à tout chat. Mais puis combien que ça a coûté tout chat? Qui paye? Je sais. Je me rends la mépissée tellement que j'essaie. M'envoie bien un coup, boujou.